En deux mots, qui je suis, en fait, je suis un ancien de l'Université de Lorraine, en retraite à présent. Il y a fort longtemps, j'ai fait un doctorat sur les étourneaux. Et puis, à la fin de ce doctorat, je me suis tourné plutôt vers les grues. Et ça fait maintenant une quarantaine d'années que je suis donc ces migrations de grues. Alors, d'abord en Lorraine, très vite en France. Et puis, comme on s'inscrit maintenant depuis très longtemps, hein, ce qui concerne les grues, dans un contexte de sujet européen, eh bien, bon, c'est devenu quelque chose de très prenant. Voilà, et puis indépendamment de ça, je suis aussi le président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine depuis un bon moment. Alors, ce que je voudrais vous présenter ce soir, c'est surtout des évolutions, on va dire, récentes de la dernière décennie de voies migratoires qu'on considérait comme très simples par le passé et qu'on découvre maintenant comme étant beaucoup plus complexes que ça. Alors, je regarde ça. Ah, ça ne veut pas passer. Oui, ça passe, ça y est. Alors, bon, écoutez, voilà, cette carte date de 96. C'était dans le plan d'action de l'UICN pour les grues. Et donc, elle représentait une situation au milieu des années 90 de la situation mondiale de la grue cendrée, avec au nord, classiquement, sur ce genre de carte, la zone de nidification, qui a également quand même évolué depuis. Et puis, bon, en gris et plus sombre, les zones d'hivernage et les voies migratoires telles qu'on les connaissait ou telles qu'on les traçait en tout cas à l'époque. Ça, c'est donc la période 96 pour une vue mondiale, qu'on va dire. Au niveau français, en fait, c'est une espèce qui est facile à observer, qui est facile à reconnaître. Donc, il y a de la biblio. Si on fouille un petit peu, on trouve régulièrement des observations dans les différentes régions de France où la grue a pu passer, hein, et depuis fort longtemps, au 19e, mais même parfois avant. Mais il est difficile de faire parler ces obs parce qu'elles sont toujours tout à fait ponctuelles et qu'on ne peut pas leur donner vraiment du sens, à part une date, un nombre, mais ça reste quand même très, très, très ponctuel, quoi. En revanche, et ce n'est pas le cas pour beaucoup d'espèces, dès la fin du 19e siècle, il y a eu un monsieur qui s'appelait Ternier, qui était, je crois, un grand chasseur, qui a essayé, entre autres oiseaux, parce qu'il en a fait sur d'autres espèces aussi, qui a essayé de lancer une enquête nationale sur les passages des grues cendrées. Alors évidemment, avec les moyens de la fin du 19e, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet, évidemment, il n'y a pas le Minitel, parce que nous, on les passait par là aussi. Mais bon, je crois qu'il passe essentiellement par des sociétés de chasse auxquelles il adresse des courriers. Et puis, il finit sur deux saisons par avoir une sorte de cartographie qui donne celle que vous avez là à l'écran. Alors, cette cartographie, on voit bien qu'il y a des trous, mais enfin, bon, c'est un début. Il y a des flèches qui indiquent des directions, mais il y a quand même des éléments qui sont intéressants. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'Est de la France, je vous rappelle qu'à l'époque, la Moselle et les deux départements alsaciens ne sont pas, font pas partie de la République française, mais de l'Empire allemand. Et donc, évidemment, elles n'apparaissent pas sur ces cartes. C'est dommage, mais en même temps, on se rattrape très bien, on le verra peut-être un petit peu plus tard, parce que dans les troupes d'occupation allemandes, il y avait quelques ornithos qui écrivaient, qui publiaient. Et donc, quand on gratouille un petit peu sur la bibliographie allemande de cette époque-là, on tombe sur des données qui sont souvent quand même plutôt bien faites et bien retranscrites de la part d'observateurs allemands de cette époque-là. Autre élément, on voit qu'il y avait déjà une composante qui passait un peu vers le flanc est du pays, par la vallée du Rhône, hein, les Vosges et puis la Saône-et-Loire, la vallée du Rhône, et qui débouchait vers le bassin méditerranéen. Et on remarque aussi qu'à cette époque-là, précisément dans le bassin méditerranéen, il y avait un peu d'activité. Alors, on n'a pas trop d'informations sur le volume de cette activité. On sait qu'à cette époque, peut-être nichait encore la grue dans la vallée du Pô et puis en Vénétie, et peut-être que c'est une trace d'un couloir de passage qui existait à ce moment-là. Mais enfin, voilà, on ne peut pas en dire plus, mais on a quand même ce document qui est intéressant, qui fait une base, quoi. Ensuite, cet oiseau, il a été pas mal étudié, notamment par les auteurs allemands, et notamment par Liebert, qui a beaucoup publié sur la grue, et qui a sorti cette première carte publié en 1936, mais qui date des années un petit peu auparavant, hein, et qui identifie, ma foi, ben, les trois couloirs qu'on a longtemps pris comme étant les trois couloirs
quasi exclusif. En partant de l'Est, ben, un couloir qui traverse, on va dire, les limites de la Pologne, de la Biélorussie, un couloir centre-européen par la Hongrie, et puis un couloir ouest-européen, celui qui concerne notre pays. Cette carte, elle a été longtemps reprise, avec, je pense, elle correspondait sans doute pas mal à la réalité, quoi, hein. Elle a été reprise par Dorst dans son livre sur les migrations d'oiseaux, puis par un autre auteur allemand, Makatsch, qui a fait une monographie sur les grues en 70. Bref, elle convenait sans doute à la réalité de ce moment, avec évidemment des incertitudes. Là, je vois que, par exemple, en Afrique, c'est le Soudan qui est indiqué à la place de l'Éthiopie. Mais bon, enfin, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, on a beaucoup travaillé sur cette carte-là. Alors, cette carte-là, elle ne tombe pas du ciel. Si on regarde les travaux de Blutz, Fodblotzheim et de ses collègues, eh bien, eux, ils se basent sur des observations réelles qui sont collectées sur une décennie à peu près, ou même plusieurs décennies. Et donc, chaque petit point correspond à une observation, à une série d'observations. Et ça recolle bien avec ce qu'on vient de voir sur la carte et les gros traits qui étaient indiqués sur la carte de tout à l'heure. Donc, bon, ça tient la route. Et on voit même que dans les années 70, déjà, par exemple, on n'identifie plus grand-chose en Afrique du Nord. On y reviendra un petit peu plus tard. Bien, alors au niveau français, ben, on n'est pas resté non plus inactif. Il y a eu au milieu des années 60 une tentative de coordination européenne qui était conduite par un ornithologue allemand, Dietrich Ristau. Et en France, eh bien, il avait des relais, c'était notamment le groupe des jeunes ornithologues avec Bernard Frossot et Spitz. Et donc, il y a eu ces cartes qui sont sorties, qui nous montraient qu'il y avait un couloir qui traversait la France, ça on savait déjà. Et puis, il y avait quelques éléments de géographie, mais notamment, il n'y avait rien sur les stationnements. Et les stationnements ont pris maintenant. Alors, peut-être qu'à cette époque, d'une part, on ne les connaissait pas, d'autre part, le lac du Der n'existait pas en ce qui concerne le Grand Est. Hein, peut-être qu'il y avait aussi moins de stationnements. Et en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de grues, ça, c'est absolument certain. Enfin, on a aussi ces traces pour le milieu des années 60. Et puis, en 1983, on a constitué un groupe de travail européen et dans la foulée, un groupe de travail français. On l'appelait donc le groupe de France. Et très vite, on s'est confronté aux données qui arrivaient des deux Europes de l'époque, puisque c'était quand même la complexité de la chose, c'était d'arriver à communiquer de manière assez fluide avec les Allemands de l'Est et puis avec les gens qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, au moins jusqu'en 89. Hein, et en tout cas, nous, on s'est lancé dans l'aventure et on a fait une première conférence en Hongrie en 85, où c'était avec Christian Riols, dont le nom vous dit sans doute quelque chose. Christian avait présenté un travail sur l'hivernage qui débutait à l'époque en France, et moi, j'avais présenté ces premières cartes de migration qu'on avait pu réaliser grâce à l'époque, ça s'appelait l'UNAO, l'Union nationale des associations ornithologiques. Ça ne rajeunit pas, mais enfin, on avait pu, de cette façon-là, obtenir ces cartes. Hein, donc, c'est de l'automne 81 au printemps 84. On retrouve l'écharpe classique, notamment au printemps, mais on a aussi des choses intéressantes. Par exemple, sur l'automne 82, une migration qui avait été complètement déportée sur la côte atlantique, jusqu'au Mont-Saint-Michel, jusqu'à la région nantaise, en Vendée, etc., hein, suite à une tempête qui avait bousculé tout ça vers l'ouest. Et puis, en revanche, à l'inverse, à l'automne suivant, eh bien, l'apparition d'un couloir plus oriental. Alors, j'ai matérialisé ça sur les cartes par ces pointillés rouges que vous voyez. Hein, et bon, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'autant on explique bien la situation de l'automne 82 par la météorologie du moment, autant sur 83, ben, c'est un petit peu plus brumeux. Il n'y a pas d'explication qui saute aux yeux de manière très flagrante. Et puis, on poursuit. Et en 86, Pierre Dehomme, le grand dessinateur de la Hulotte, contacte le groupe Rufrance et nous dit « J'aimerais bien faire un suivi national. » Et j'ai rencontré le producteur de France Culture qui aimerait qu'on travaille avec lui, etc. Et donc, on va lancer ce qu'on appellerait maintenant une opération de science participative, sans doute la première de ce genre-là, grâce à la Hulotte qui va mobiliser ses lecteurs, grâce à France Culture qui va mobiliser ses auditeurs, mais qui va aussi répercuter sur tout un tas d'autres organes de presse, notamment au niveau local et régional. Et on va réussir à glaner quand même plusieurs milliers d'observations. Alors, c'est moi qui en réalise la synthèse et on obtient des choses qui commencent à être un peu intéressantes, même si elles sont encore très claires. Par exemple, vous voyez, sur deux jours, on a deux voies de migration
qui sont très diverses, dont une qui est très, très orientale. C'est la première fois qu'on voyait ça. À l'époque, on a pu communiquer un petit peu avec nos amis allemands de l'Est qui nous ont donné des horaires de départ. On a eu des horaires de passage en France et on a pu, par exemple, montrer que cette migration s'était faite complètement hors du schéma traditionnel. Les sites de stationnement qu'on connaissait et qui sont visualisés ici par des petits points, par des petits ronds, n'ont même pas été survolés. Tout ça est passé plutôt sur l'est de la France, puis après à essayer de regagner le milieu des Pyrénées. Et donc, on a en tout cas pu montrer qu'il y avait un couloir qui était plus oriental et que quand les grues le souhaitaient, que les conditions étaient bonnes, en 24 heures, elles pouvaient partir de la côte balte et arriver sur les Pyrénées sans grande difficulté, puisque dans la presse, il n'y avait pas eu de grande remontée de difficultés. En tout cas, parfois, on trouve ça dans la presse générale, et là il n'y avait rien. Enfin, voilà, donc on a ça en 86, hein, une bonne première. Et puis, 5 ans après, la LPO souhaite relancer l'opération. Donc, encore une fois, je réalise les cartos de l'époque. Hein, on retrouve bien les charpes. Alors, ça, on a dû multiplier par 2 ou 3 le nombre d'observations, hein, entre 86 et 91. Et là, bon, on devait être à 3000 observations en 86. Là, on doit être pas loin de 7 000, 8 000, quelque chose comme ça. Donc, ça commence à être bien documenté quand même. Alors là, vous avez 2 épisodes migratoires. On ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement, on voit bien qu'il y a l'écharpe traditionnelle, mais aussi une petite composante plus orientale qui se manifeste à chaque fois. Et voilà, c'est un peu ce schéma-là quoi, qu'on arrive à déchiffrer. Et si on regarde ce qui se passe en amont, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est, eh bien, on remarque qu'en fait, il y a des gros rassemblements qu'on connaît bien, qui sont sur la mer Baltique et qui alimentent ce couloir de passage qui passe le plus à l'ouest. Et puis qu'il y a des gros rassemblements aussi, mais qui sont de constitution récente en Allemagne continentale et qui alimentent le couloir le plus oriental. On voit bien les données que m'avait transmises à l'époque le responsable allemand, en ce qui concerne le couloir oriental, c'est vraiment quelque chose d'apparition très récente. On aura quelques explications peut-être tout à l'heure. Voilà. Et donc, ça nous conduit finalement, vous voyez, aux années 2000-2010, à cette carto, alors qui est un petit peu plus élaborée, mais qui reprend malgré tout les grands traits. Et au moment où elle est publiée par Prang, elle est déjà dépassée, mais ça, on le saura dans quelques instants. Hein, mais vous voyez, on retrouve les grands jalons, les zones de stationnement, les zones de passage, les zones d'hivernage. Enfin, en même temps, on est une carto à grande échelle, donc on n'a forcément pas énormément de détails là-dessus. Et puis arrive ensuite, eh bien, on arrive au moment des années 2000, et c'est là qu'apparaissent les portails de saisie, vous savez, faune Lorraine, faune Alsace, faune Provence, Alpes-Côte d'Azur, etc., faune Italie, enfin ça ne s'appelle pas comme ça en Italie, en Allemagne également. Et donc ça, c'est un vrai aspirateur à données, formidable. Et on se rend compte alors, par exemple, en 2014, qu'on obtient des cartographies de ce type-là. On découvre des situations qu'on n'imaginait pas, en tout cas, qu'on pressentait quand on regardait ça d'un peu près, mais qu'on n'imaginait pas. Alors, juste pour préciser, on est là en 2014. La diagonale du vide que vous voyez en France, c'est simplement les endroits où ces portails de saisie n'existent pas encore. Le Limousin, notamment, Midi-Pyrénées, hein, et puis ailleurs, ils existent. Et on voit que finalement, ça n'a plus grand-chose à voir avec les cartos qu'on avait élaborés. Alors, si je compare la carto de 1973 à celle de 2014, eh bien, on voit qu'il y a quand même des différences qui sont majeures. Et la question, c'est mais qu'est-ce qui sous-tend ces évolutions-là? Alors, ce qui sous-tend ces évolutions-là, il y a plusieurs facteurs, c'est certain, mais il y en a un qui est majeur, c'est l'explosion démographique des populations de grues. Dans les années 70-80, quand on commençait à travailler sur les grues, on parlait à l'époque, on a des écrits qui parlent de 15-20 000 oiseaux. Alors, on était sans doute en dessous de la réalité, parce que bon, il y avait moins d'ornithologues, etc. Mais en tout cas, ça nous donne un ordre de grandeur. Et on est maintenant aux alentours de 400 000. C'est invraisemblable. En 40 ans, on a une population qui a été multipliée presque par 10. Hein, on a du mal d'ailleurs à en expliquer la réalité. À un certain moment, on n'y croyait même pas, mais il a bien fallu s'y résoudre, puisque les comptages sont faits de façon très sérieuse en Allemagne, ils sont faits de façon très sérieuse en Espagne, ça colle. Et quand on les voit passer chez nous, on se rend bien compte que ces comptages ne sont pas fantaisistes du tout. Donc, cette explosion démographique
ça fait un effet de densification, y compris au niveau des passages migratoires, tout à fait sensible. Alors, les raisons, bon, écoutez, avant déjà, pour les caractériser, en fait, on a vu dans les endroits où les grues nichaient déjà, on a vu les populations exploser. Vous voyez, en Norvège, on est passé de quelques centaines de couples à plus de 5000. Au Danemark, il y avait quelques couples. On est maintenant à plus de 300, sans doute au-delà. En Suède, on atteint les 30 000 alors qu'on partait de 12 000. En Estonie, on est à 7 500. Je crois que les chiffres plus récents doivent être autour de 9 000, quelque chose comme ça. En Finlande aussi. Et puis, si on regarde eh bien, en Allemagne, les choses ont explosé. Et puis, il y a eu cette progression vers l'Ouest qu'on connaît maintenant, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Tchéquie. Tout récemment, il y a l'année dernière ou il y a deux ans, en Irlande et en Belgique également. Donc, cette poussée démographique, on la ressent, même si chez nous, ça reste de l'ordre de quelques dizaines de couples, hein, mais on la ressent quand même jusque dans nos régions occidentales. Alors, quelques raisons. Bah, écoutez, moi, j'ai essayé d'analyser ça. Ça vaut ce que ça vaut. Cette chaîne un petit peu que j'ai voulu logique. Hein. Ce qui a contribué dans un premier cas, évidemment, c'est la protection. C'est un oiseau qui est protégé au niveau européen de manière quand même stricte partout, avec une protection qui est plutôt bien respectée, semble-t-il. Hein. Donc, ça, évidemment, ça contribue. Je pense qu'un facteur majeur, c'est surtout les évolutions agricoles. Moi, j'ai l'habitude de dire, enfin, même si ça change un peu maintenant, l'explosion démographique de la grue, c'est lié à la politique agricole commune, quoi. Hein, quand on a explosé le maïs partout, qu'on a simplifié les paysages, c'est ce qu'on voit sur la case dessous, hein, en rasant les haies, en faisant des grands open fields où les grues sont vachement tranquilles parce qu'elles voient à des kilomètres. Donc, vous avez le couvert, vous avez une surveillance facilitée. On a créé aussi des grandes zones comme le lac du Der, mais en Allemagne également, plusieurs qui sont des super dortoirs bien tranquilles. Bref, et puis on a eu aussi des hivers de plus en plus doux qui ont permis, qui ont conforté des hivernages. Vous savez que maintenant, on a quand même 150-160 000 grues qui passent l'hiver en France, c'est-à-dire à peu près un tiers de la population, alors que dans les années 70, il n'y avait quasiment pas de grues qui hivernaient en France, quoi. Hein, les jeunes ornithologues qui découvrent ça au lac du Der n'ont pas ces notions-là, mais on a connu l'époque où les grues n'hivernaient quasiment pas en France, alors que maintenant, c'est un des pays majeurs pour son hivernage. Bon, donc, en tout cas, une explosion démographique qu'on essaye d'expliquer et qui est là et qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, j'ai repris cette diapo de 2014 et j'ai essayé de l'organiser un petit peu. Vous voyez, il y a deux veines, une veine que j'appelle la veine allemande, parce que presque tout vient d'Allemagne, et l'autre, une veine que j'appelle la veine austro-hongroise. Donc, c'est le trait jaune qui les sépare. Et puis, j'ai choisi deux belvédères. Un que je connais bien, c'est la Lorraine, parce que finalement, quand les grues arrivent d'Allemagne, sans halte pratiquement, eh bien, la première région qu'elles accostent, c'est la Lorraine. C'est comme ça, on est frontaliers. Et puis, le deuxième belvédère, eh bien, c'est la Camargue, hein, parce qu'on va bien voir tout à l'heure que c'est là que les choses s'apprécient le mieux, parce qu'il y a une confluence de deux couloirs qui se construisent. Alors, si je commence déjà par la voie allemande, sur la voie allemande, côté Lorrain, voilà ce qu'on observe. On peut reconstituer, grâce à ces observations dont on dispose depuis le début du XXe siècle, on peut reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Hein, 36, je vous rappelle, c'est les travaux de Liebert, donc qui a quand même produit plein de choses auparavant. Et à cette époque, si on regarde les observations lorraines dont on dispose, on avait un couloir qui était normal, enfin, traditionnel, marqué de la Baltique à la Lorraine. Et puis, il y avait un couloir de l'intérieur de l'Allemagne vers la Lorraine. C'est les lacs de Brandebourg, les zones humides de la région de Berlin également, qui alimentaient cette zone plus continentale. Et puis, dans les années 60-85, et c'est très bien documenté en Allemagne, mais sur nos données lorraines, c'est aussi très, très net, eh bien, cette voie continentale disparaît complètement. Elle s'éteint complètement. On l'a vu tout à l'heure, on avait des chiffres, un graphique en tout cas, et il ne reste que cette voie qui vient de la Baltique. Et puis, dans les années 90 à 2000, eh bien, cette voie continentale se reconstitue. Alors, elle se reconstitue notamment parce qu'on crée dans ce secteur-là des immenses zones humides. Ce sont souvent des mines de lignite qui sont abandonnées et qui sont remises en eau, avec un petit peu de talutage, un petit peu d'aménagement, et ça fait des lacs du Der, l'équivalent de deux, trois lacs du Der les uns à côté des autres, en tout cas
dans un périmètre relativement restreint. Et là, ça devient très, très vite des dortoirs extrêmement importants pour les grues. Ça attire beaucoup les grues qui viennent de Pologne, semble-t-il, en tout cas plus de l'Est. Hein, mais également, ça reconstitue énormément les populations nicheuses de l'intérieur de l'Allemagne. Et puis, à partir des années 2000, on observe encore quelque chose de nouveau. Eh bien, on a cette voie baltique qui s'étire un peu vers l'ouest à cause de l'aménagement d'une grande zone humide, enfin de la restauration d'une grande zone humide dans la région de Brême, qui est devenue un site majeur maintenant pour les grues également. Et puis, on a cette densification sur la voie continentale. Et on voit apparaître, je vais marquer là par un trait jaune, une voie qu'on ne connaissait pas et qui longe les Alpes par le nord, qui par le sud de la Bavière. Alors, à l'aval, tout ça se reconcentre souvent, sauf la voie allemande, la dernière, tout ça se reconcentre sur le lac du Der, et puis après, ça repart. Mais voilà, donc on arrive à bien documenter ces quatre étapes en Lorraine, en tout cas. Alors, bon, si on récapitule, vous avez ici la migration en 2019, me semble-t-il, en Allemagne. Si on regarde un peu avec attention, on voit bien qu'il y a en fait deux flux et non pas un seul. Un flux qui part de la Baltique et qui descend sur la Lorraine, le Luxembourg, etc. Un flux qui est plus continental. Et puis, vous avez ici, au sud, cette fameuse voie qui longe les Alpes bavaroises et qui débouche sur la Franche-Comté en ce qui concerne la France, sur la Suisse également. Et tout ça, après, va descendre par la vallée du Rhône vers la Méditerranée. Alors, bon, la Lorraine, il y en a un petit peu, il y a quand même des grues qui passent à l'est et à l'ouest de la Lorraine, tout ne passe pas que par la Lorraine. Alors, j'ai regardé un peu ce qui se passait en Wallonie. En Wallonie, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'observations de grues par rapport aux années passées, mais que géographiquement, il n'y a pas une grande évolution. C'est toujours les mêmes zones, elles sont un peu plus survolées, enfin, de façon assez significative quand même. Mais bon, ça évolue pas de façon très nette, c'est beaucoup plus net au printemps. Là, on ne travaille que sur le post-nuptial. Et puis, en revanche, on voit apparaître en Alsace, alors ça commence vraiment en 2008-2009, on voit apparaître un coup l'Alsace, bon, moi je connais bien les observateurs alsaciens et les ornithologues alsaciens, on avait bien quelques observations de grues de temps en temps, mais soudain, on voit apparaître des observations en nombre, qu'on retrouve évidemment en Franche-Comté, qui sont rejointes par un couloir au niveau de la Suisse, tout ça descend par Rhône-Alpes, se retrouve dans la vallée du Rhône, et puis, pour une part en tout cas, descend jusqu'en Catalogne, jusqu'en Espagne, par la Catalogne, en suivant le golfe de Lyon. Vous voyez, tout ça est très bien coordonné, avec sans doute une partie de ces grues qui s'arrêtent en Camargue, qui peut-être y passent l'hiver. Bon, ça, c'est un point qui est quand même récent, parce que dans la vallée du Rhône, jusqu'à présent, jusqu'au début des années 2000, le passage des grues était quand même plutôt exceptionnel. Voilà, et puis alors maintenant, si je me repose un petit peu sur le point de vue, on va dire, camarguais, donc sur la veine austro-hongroise, la partie sud, eh bien, bon, quelques observations très simples. La situation de la grue en Camargue. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a bien eu quelques observations qui étaient relatées au XIXe siècle, toujours en liaison peut-être avec la vallée du Pô et avec la Vénétie. Bon. On trouve dans la biblio des données qui sont fiables, bien sûr, et qui sont un peu récurrentes, donc ils laissent croire que, manifestement, c'était quelque chose d'assez régulier. Mais au XXe siècle, la grue en hiver en Camargue, c'était tout à fait exceptionnel. J'ai consulté pas mal d'ouvrages, j'ai vu la synthèse qu'a fait Kaiser dans son article également de Haloda, et donc, jusqu'au début des années 2000, c'était un oiseau qui était exceptionnel, souvent en très petit nombre, des fois des oiseaux blessés, enfin en tout cas, et puis des observations qui étaient souvent fugaces. Or, à partir de 2003, 2004, 2005, on voit apparaître un hivernage en Camargue qui commence par quelques centaines d'oiseaux et qui culmine à l'heure actuelle à près de 30 000. Donc en 20 ans, même pas 20 ans, on est passé de zéro à pratiquement 30 000 grues hivernantes en Camargue. Ça semble se stabiliser là, mais enfin, on n'a pas assez de recul, je pense, pour en être certain. Donc c'est un phénomène qui est quand même tout à fait extraordinaire. Alors, ces grues en Camargue, elles trouvent à manger. Elles vont dans les chaumes de rizières. Il y a quelques chaumes de céréales également, notamment dans le nord de la Camargue. Donc, ça semble très bien se passer pour elles d'un point de vue alimentaire. Bien. Alors, ces grues qu'on trouve en Camargue, d'où viennent-elles? Est-ce qu'elles viennent de la voie d'Europe occidentale? On a vu tout à l'heure qu'effectivement, il en passe un petit peu par la vallée du Rhône. Est-ce qu'elles viennent
de la voie d'Europe centrale, eh bien, on va regarder un petit peu ces données, et se trouve qu'un des premiers portails qui ouvre, c'est le portail autrichien. Et qu'en Autriche, à partir de 2008, vous voyez, on est toujours à peu près dans les mêmes créneaux temporels, eh bien, on voit apparaître aussi une croissance, mais exponentielle quasiment, de passage de grues, de stationnement de grues, notamment au lac Neusiedlersee, qui est quelque part par là, aux confins de la Hongrie et de l'Autriche, qui monte jusqu'à 40 000 grues quand même. Hein, c'est l'hiver dernier, c'est 44 000, quelque chose comme ça. Hein. Et on voit que l'essentiel de ces grues file vers l'ouest, en contournant l'arc alpin, soit par le nord et donc par la Bavière, ce qu'on a vu tout à l'heure, soit par le sud et donc plutôt par l'Italie. Alors, j'ai essayé de voir la proportion. Il semble que jusqu'en 2015, c'était davantage par le versant sud que par le versant nord. Mais enfin, au bout du compte, ces grues se retrouvent en France, soit dans la vallée, enfin en Franche-Comté, on va dire, ou dans la vallée du Rhône, en passant par le nord, soit au niveau de la Méditerranée, ou en tout cas dans les Alpes du Sud, si on considère le couloir le plus méridional. Alors voilà, donc ces grues, manifestement, viennent d'Autriche. Alors, qu'est-ce qu'on observe en Italie? En Italie, vous voyez les données de 2001 à 2005, qui avaient été synthétisées par un ornithologue italien, eh bien, montraient, il n'y a encore pas si longtemps, qu'il y avait certes une petite composante dans le nord qui commençait à se confronter un petit peu aux Alpes, à la frontière française, mais que quand même, une grande partie de la migration des grues en Italie, eh bien, descendait la botte italienne ou traversait l'Adriatique pour ensuite rejoindre la Tunisie, l'Algérie, tel qu'on l'a longtemps connu. Et puis, si on regarde maintenant ce qui se passe, eh bien, voilà par exemple les observations italiennes pour l'automne 2022. Vous voyez que la quasi-totalité des observations ne concerne qu'un tracé d'est en ouest qui arrive de la frontière slovène-autrichienne et qui va se heurter aux Alpes françaises. Et là, les grues vont traverser pour gagner PACA, qu'on retrouve, hein, on retrouve très bien les données sur la région PACA. Et puis évidemment, tout ça se concentre sur la Camargue. Hein, voilà. Donc, on a ce couloir qui descend là, qu'on a évoqué. On a ces apports qui arrivent de l'est. Et on a reconstitué cette façon-là. Donc voilà un petit peu comment on peut voir les choses, hein, avec deux voies et une Camargue qui finalement est un confluent entre une partie de la voie migratoire ouest-européenne et une partie de la voie migratoire centre-européenne. Alors comment ça va évoluer, on le saura, je pense, dans quelques années, mais on peut déjà avoir quelques idées. Déjà, on s'est demandé aussi quelle était l'origine de ces grues qui venaient en Camargue. Et ça, on s'est reporté aux données de bagages, on commence à en avoir un petit peu. Vous savez qu'on bague les grues avec des grosses bagues colorées qui sont très faciles à lire si on est un peu équipé, sont très faciles à lire de loin. Pas trop de vent, bien équipé, pas une végétation trop haute, on s'en sort, quoi. Et donc, par exemple, en Camargue, sur 24 grues qui ont été identifiées, 19 venaient de Finlande, 4 venaient d'Estonie et une seule d'Allemagne. Si on compare ça à ce qu'on observe dans les autres régions françaises, eh bien, on a ces figures-là. Alors, j'ai choisi la Lorraine, enfin là où les études ont été faites, c'est en Lorraine, dans la région centre, en Aquitaine, et puis donc en Camargue, qu'on vient de voir. Et donc ici, vous avez le nom des pays d'origine. A pour Allemagne, S pour Suède, E pour Estonie, P pour Pologne, N pour Norvège, F pour Finlande et T pour Tchécoslovaquie, enfin Tchéquie plutôt. Donc vous voyez que pour la Lorraine, on a surtout des grues allemandes, un petit peu les autres, mais vraiment les grues allemandes. Pour la région centre, c'est pareil. Pour l'Aquitaine, c'est pareil. En revanche, pour la Camargue, c'est complètement inversé. C'est une très, très grande majorité alors même si c'est encore des nombres modestes, mais c'est une très grande majorité de grues qui viennent de Finlande et d'Estonie, et ça identifierait plutôt évidemment des grues qui viennent de la voie dite orientale et non pas d'une branche éventuellement de la voie occidentale. Voilà une information, enfin un élément qui est un petit peu intéressant. Alors, où est-ce qu'elles passaient l'hiver, ces grues, avant de venir en Camargue? Écoutez, il suffit, je vous remets là l'évolution de l'hivernage en Camargue, et puis un travail qui a été aussi publié dans Alauda il y a quelques années, une dizaine d'années, par des collègues algériens, qui mettent en évidence l'effondrement des populations hivernantes en Algérie. Hein, vous voyez, on est pratiquement à des désertions complètes. Je me souviens, moi, allé à ces moments-là, d'ailleurs, accueilli par eux en Algérie, en plein décembre, eh bien, tout était sec, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, enfin bref, les milieux sont devenus tout à fait hostiles et tout à fait défavorables à l'hivernage, ce qui explique sans doute cet effondrement. Donc, il est très simple d'imaginer qu'une bonne partie de ces grues qui passaient l'hiver avant en Algérie,
eh bien, se sont reportés sur la Camargue. On manque de données sur la Tunisie, mais bon, je ne sais pas si. Je n'imagine pas que ce soit très différent. Hein. Et puis, on manque de données sur la Libye, mais enfin, en Libye, il y avait quand même relativement peu de grues, de stationnement de grues qui étaient connues. Voilà, et puis, mais finalement, cette observation italienne nous montre bien qu'il n'y a quasiment plus de grues qui descendent vers l'Afrique du Nord. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Hein. Alors après, je vais essayer de voir un petit peu ces grues qui hivernaient en Camargue, où elles repartaient. Bon, là, c'est un petit peu plus fou. On remarque qu'il y a une bonne coordination, corrélation entre les grues qui émergent de Catalogne au printemps et celles qui utilisent la vallée du Rhône, quand elles utilisent la vallée du Rhône, parce qu'elles ne l'utilisent pas chaque année. Et puis, qu'il y a une très bonne corrélation, en revanche, entre les grues qui quittent la Camargue, en nombre, hein, en effectif, qui quittent la Camargue et celles qui traversent l'Italie. On a vraiment l'impression que c'est les mêmes, quoi. Ce qui tendrait à dire que, ma foi, peut-être que celles qui descendent en Catalogne pourraient être celles qui émergent du couloir rhodanien puis qui le réutilisent au retour, alors que les autres seraient celles qui arrivaient d'Italie. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'il y a des données qui vont préciser ça ou en tout cas ou rendre l'analyse, l'interprétation peut-être encore plus complexe. Voilà, donc plus globalement, ben, on voit donc qu'il y a une évolution extrêmement importante des modalités migratoires, que ça s'éloigne énormément des conceptions qu'on avait par le passé. Hein, on avait déjà des prémices quand même, hein, qui nous disaient ça. Et que tout ça résulte probablement d'une redistribution des zones d'hivernage, notamment de celles d'Afrique du Nord, sous-tendue par l'évolution démographique, par les zones d'hivernage, notamment nord-africaines, qui sont tout à fait devenues inadaptées, et puis également des changements climatiques. Hein, ben, le changement climatique, la sécheresse en Afrique du Nord, c'est aussi une évolution climatique, ça ne risque pas de s'arranger dans les années à venir. Voilà, et donc finalement, la question, c'est est-ce que ce qu'on observe là, c'est les prémices d'un transfert total de la voie centre-européenne vers la voie ouest-européenne? Pendant combien de temps va-t-on encore observer ces deux voies? Est-ce que l'hivernage en Afrique du Nord va disparaître totalement? En tout cas, on a vu qu'il est réduit maintenant à la portion congrue. Et puis, une question qui est aussi importante, c'est est-ce que les territoires, ces nouveaux territoires qui sont investis par les grues, est-ce que leur capacité d'accueil, en termes alimentaires notamment, hein, sera suffisante? Et est-ce qu'elle ne va pas générer des problèmes de cohabitation avec des activités agricoles? Il y a un certain nombre de régions quand même où la cohabitation entre notamment la mienne et puis la Champagne juste à côté, où la cohabitation entre les agriculteurs et les grues pose déjà souvent des problèmes importants. Là, pour le moment, on n'en entend pas parler. On parle souvent des problèmes des flamants dans les rizières en Camargue. Les grues, non, parce qu'elles sont sur les chaumes. Donc, bon, il y a relativement peu de chance. Donc, voilà un peu où on en est. Ce qui permet de corriger la carte de 96 du plan d'action de l'UICN au cours du nouveau plan d'action de l'UICN de 2019. Donc, ça complexifie un petit peu cette zone ouest européenne. On a rajouté les couloirs qui passent par la Camargue. On a essayé d'adapter tout ça. Mais le problème, c'est que là encore, on a une situation qui apparaît complexe, mais relativement claire. Et en réalité, on utilise de plus en plus la télémétrie. Et là, on fait de nouvelles découvertes. Alors, je vous ai mis pour conclure juste quelques exemples assez désarçonnants de retours télémétriques. Regardez par exemple ces grues finlandaises et principalement celle qui est marquée par des pastilles bleues. Elle descend par la voie d'Europe centrale, elle traverse l'Italie d'est en ouest et elle revient par la voie d'Europe de l'ouest. Bon, voilà, c'est des choses qu'on n'imaginait pas vraiment. Et la télémétrie nous montre donc qu'une grue est capable de changer de couloir. C'est pas figé, quoi. Ici, vous avez un bouquet de grues estoniennes, c'est l'automne 2017, et on voit qu'elles sont toutes. L'Estonie est un tout petit pays, hein, vous voyez, du niveau de la Belgique, quelque chose comme ça, et donc toutes ces grues sont baguées, on va dire, dans un mouchoir de poche, à peu près au même endroit, et vous voyez que certaines d'entre elles partent vers l'est, vers le bassin, enfin le Moyen-Orient, pour après descendre jusqu'en Éthiopie, pour la plupart d'entre elles. Certaines passent par la voie centrale. D'autres passent par la voie ouest européenne. Et vous avez une petite fantaisiste là, qui est très très claire, enfin en couleur en rose très très claire, qui descend par la voie centrale, qui soudain reprend et retrouve la voie ouest
au niveau de Francfort et qui va venir passer l'hiver chez nous en Lorraine. Donc, des choses complètement baroques. Hein, et alors, cette grue, elle est intéressante parce qu'elle est restée tout l'hiver chez nous, puisqu'on avait les suivis télémétriques. Elle a refait la même chose l'hiver suivant. Ensuite, son émetteur n'émettait plus, mais de temps en temps, on arrivait à avoir ses bacs colorés, puisque nos amis estoniens. Et donc, on sait qu'elle passe régulièrement encore au moins une partie de l'hiver chez nous. Et puis, bon, pour conclure, ben, écoutez, voilà la réalité telle que la donne la télémétrie. Vous voyez, ces poignées de spaghettis dont on a du mal à bien comprendre comment les choses fonctionnent, hein, avec finalement des grues qui partent d'Espagne, qui partent par la voie centrale, d'autres. Là, on a affaire à des grues qui ont été équipées en Suède, en Lituanie et en Pologne. Hein. Et donc, vous voyez qu'en fait, malgré toutes les explications et tout ce que je viens d'essayer de vous montrer, eh bien, malgré tout ça, ben, la réalité de terrain reste en fait bien plus complexe et encore loin d'être stabilisé. Mais on verra ça dans les années à suivre, dans les années à venir, je pense, hein, sur ces, entre guillemets, ces nouvelles connaissances. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, je suis là pour essayer d'y répondre. Voilà. Un petit mot juste, j'aimerais bien dédier cette conférence, je pense à lui, à Jean-Marc Thiollet. Parce que, bon, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. On s'est pas mal connus au CSRPN du Grand Est. On se fréquentait un petit peu, enfin, à ses réunions, quoi. Et chaque fois qu'on se voyait, il me posait des questions agaçantes sur les grues, parce qu'il les connaissait bien. Il vivait près de Troyes. Et bon, ça, c'était un point de. On en parlait très régulièrement ensemble. Et bon, voilà. Donc, c'est le moment de lui rendre un petit hommage, quoi. Voilà. Bien, écoute, merci beaucoup Alain, et on s'associe à l'hommage que tu rends à Jean-Marc Thiollet, puisque Jean-Marc était administrateur aussi de la SOF, hein, et il nous titillait aussi, et on discutait sur toutes les espèces, et dont les espèces de Lorraine ou de Champagne, qu'il connaissait bien effectivement. Hein, voilà. Écoute, merci beaucoup pour cet exposé qui nous remet nos connaissances à jour, si on peut dire, sur cette espèce qu'on connaît bien. Moi, je suis originaire de la Creuse, et depuis ma toute petite enfance, les grues n'ont cessé de jalonner mes printemps et mes automnes, hein, le long de la vallée de la Creuse, qui est orientée exactement dans le bon sens pour aller du sud-ouest vers le nord-est et inversement. Hein, donc voilà. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Alors, levez la main pour ceux qui veulent le faire. Bon, je vais couper l'enregistrement pour la discussion.